Bonjour à tous, bienvenue à ce live meeting. Alors, petit test son et vidéo, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien aussi? Bonsoir Vincent, bonsoir Fanny, bon bah parfait alors. Génial, bah écoutez, pour commencer, désolé pour le léger retard. Voilà, petit problème technique. Alors, bah, je vais commencer par me présenter. Donc moi c'est Xavier Wu, je suis conseiller en investissement et puis aussi chargé de la campagne de Airpure au sein de Leader.co. Donc pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore, en fait Leader.co c'est une plateforme d'investissement solidaire. En fait on permet à des citoyens, des particuliers et des professionnels d'investir dans des entreprises qui ont été sélectionnées sur des critères de performance économique, puisque c'est de l'investissement évidemment, mais aussi sur des critères d'impact social, sociétal et ou environnemental. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir rediriger son épargne en tant que citoyen vers des entreprises qui ont une activité vertueuse et d'avoir des potentiels retours sur investissement. Alors, pour vous donner un peu une idée des thématiques qui sont traitées rapidement, on fait des thématiques qui sont vraiment très larges, ça peut être l'alimentation, l'insertion, l'éducation, la santé, les énergies renouvelables, l'économie circulaire, etc. Donc voilà, c'est vraiment des thématiques qui sont relativement variées. Mais l'intérêt en fait c'est surtout de pouvoir investir, mais investir dans une entreprise qui a du sens. Alors, pour cet événement, on a la chance d'avoir avec nous Flavien Hello, qui est du coup président et cofondateur d'Airpure. Donc voilà, pendant cette présentation, Flavien va d'abord vous présenter bah, du coup Airpure, l'histoire, l'activité puis l'impact. Et ensuite, on aura une partie qui sera beaucoup plus dynamique. Vous allez pouvoir monter sur scène et en fait poser toutes vos questions à Flavien, qui va pouvoir y répondre. Alors, pour la partie questions, vous voyez à droite, vous avez deux onglets. Un onglet chat où vous allez pouvoir échanger puis dire bonsoir comme vous le faites maintenant. Et puis aussi un onglet questions. Et c'est très important, c'est dans cet onglet-là qu'il faudra en fait poser vos questions. Et c'est dans ces questions-là en fait qu'on va pouvoir piocher les personnes qui vont pouvoir monter sur scène. Si vous n'êtes pas timide et si vous le souhaitez, vous pourrez monter sur scène et puis du coup poser directement vos questions. Voilà. Alors, je te laisse la parole, Flavien. Merci, merci Xavier. Bah écoute, ravi de pouvoir être là pour présenter un peu ce qu'on fait chez Airpure. Tu parlais de, voilà, de faire des choses qui ont du sens et je pense que c'est vraiment ce qui nous a lancé. C'est vraiment la genèse du projet avec Mathieu il y a maintenant plus de 5 ans, avec comme mission très simple de protéger les humains de la pollution de l'air dans les grandes villes. Et donc, avec comme premier produit, bien sûr, un masque anti-pollution très efficace, celui qui n'existait pas sur le marché, qu'on n'a pas réussi à trouver, qu'on a fini par créer. Et donc, on est passé par une campagne de financement participatif, crowdfunding, Kickstarter, où on a levé un peu plus de 300 000 euros à l'époque. Et puis, on a également gagné un CES Innovation Award à Las Vegas, le Grand Prix de l'innovation de Paris. Et donc voilà, ensuite, on a continué à développer l'activité. Avec comme début, on a réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait avoir l'impact le plus important dans la vie des gens. Et en fait, c'était très simple, c'était le moment où ils étaient exposés à un air le plus pollué. Donc pour donner une idée, quand on fait du sport, quand on est en effort, on respire de 10 à 14 fois plus d'air que quand on est là assis sur une chaise. Et surtout, on respire un air qui est 2, 3, 4, 5 fois plus pollué. Parce qu'on est bah, justement très proche des émissions de gaz, de particules fines, etc. Et donc en fait, en protégeant un porteur, ne serait-ce qu'une heure lors d'un trajet, on est capable de le protéger de l'équivalent de 48 heures de pollution. Donc c'était vraiment là où on pouvait avoir l'impact le plus important. Et donc c'est vraiment ce qu'on a décidé de faire en premier. Aujourd'hui, bien sûr, la crise sanitaire a rendu le port du masque beaucoup plus commun. C'est même, je pense, le changement le plus important qui a pu être connu d'un marché où on est passé de, voilà, en France, ça restait encore un peu une niche d'early adopteurs qui comprenaient la pollution de l'air quand on s'est lancé. Aujourd'hui, la pollution de l'air devient bien sûr un sujet de plus en plus central. Je pense que tout le monde commence à être de plus en plus conscient de l'importance de la pollution de l'air et surtout de s'en protéger et des effets nocifs que ça peut avoir sur notre corps. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment un sujet qui est en pleine évolution. Et nous, bien sûr, en tant que société, on suit ça, puisque c'est là d'où vient le nom Airpure. L'idée étant de travailler sur la totalité de la journée, des usages, des gens. Et donc, on arrive avec toute une panoplie de produits haut de gamme, premium, qui sont de très grande efficacité et qui permettent aux citadins de se protéger, comme j'ai dit,
de ce problème de plus en plus important. Donc voilà, aujourd'hui, on a eu plusieurs phases de croissance. Comme je vous ai dit, on a commencé avec un crowdfunding. On a eu une première levée de fonds en 2019, où on est d'ailleurs passé dans l'émission « Qui veut être mon associé ?» sur M6, pour ceux qui nous ont vus, où on a réalisé effectivement la plus grosse levée de fonds de toute l'émission, de toute la saison, avec un peu plus de 700 000 euros auprès de Marc Simoncini et de Éric Larchevêque, voilà, deux entrepreneurs français, et également avec le fonds à impact Citizen Capital, ainsi que d'autres business angels qui sont venus compléter ce tour. Et donc voilà, donc on a trouvé à ce moment-là un relais de croissance important, mais surtout on a trouvé des investisseurs exceptionnels avec qui on a pu vraiment aider à construire ce qui est devenu Aircure aujourd'hui. Donc voilà, ensuite on a traversé la crise qu'on a tous connue en 2020, ce qui a été très difficile pour nous, comme pour tout le monde. Voilà, pour donner une idée, notre site a été mis en rupture de stock en quelques semaines sur le mois de février. Et ensuite, on a décidé de continuer à laisser en rupture de stock pour ne pas frustrer, donc pour pouvoir amener des produits. Dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a également aidé tous les professionnels médicaux. Donc, on a d'abord réservé nos masques pour justement les gens qui travaillaient dans les hôpitaux, dans les EHPAD, voilà, tous les endroits où il y avait vraiment besoin de masques très efficaces, puisque pour donner une idée, un masque Aircure, on est au-dessus de la norme FFP3. Donc voilà, aujourd'hui, tout le monde est expert dans cette norme-là. Donc on a beaucoup parlé des FFP1, des FFP2, qui sont des filtrations légères. Mais nous, on est au-dessus, on est en FFP3, et donc on est en fait la classe maximale qui existe en Europe sur des masques filtrants. Et on va aussi plus loin, puisque en plus de la filtration de particules classique, on filtre également les gaz avec un charbon actif, et on va plus loin puisqu'on a également une technologie qui permet de filtrer ce qu'on appelle les nanoparticules, donc toutes les particules qui sont en dessous de 1 micron, ce qu'on appelle de l'échelle du nanomètre. Et donc on arrive à avoir vraiment une efficacité très importante, puisque c'est ces particules fines en fait qui sont les plus nocives. Alors juste pour rentrer très brièvement sur le sujet, pourquoi ? Parce qu'en fait les particules fines, elles traversent les alvéoles pulmonaires, elles rentrent dans le système sanguin, et comme en tant qu'humain on n'a aucune façon d'évacuer ces particules fines, elles vont rester dans votre sang en fait toute votre vie. Donc elles vont faire du roller coaster, elles vont monter, descendre. Dans un premier temps, c'est pas très grave parce que ça représente une partie peu importante de votre sang, donc c'est vraiment un tout petit pourcentage, mais plus vous restez exposé dans une ville ou dans un endroit qui a toutes ces particules fines, et en fait, plus ça commence à représenter une partie importante. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui pour ça qu'on voit que c'est la première cause de mortalité nationale, avec plus de 100 000 décès par an. C'est plus que la cigarette, c'est plus que l'alcool, donc on est vraiment sur une problématique avérée, et c'est de ça dont on protège les gens aujourd'hui. Voilà, peut-être que j'ai fait peut-être un tour un peu global, et puis on peut peut-être commencer directement à répondre à des questions, c'est peut-être ce qui est le plus intéressant. Super, merci Fabien. Alors, avant de passer à la partie questions-réponses, alors moi j'aimerais vous en dire un petit peu plus sur pourquoi nous, l'ITA, en fait, on a sélectionné ce dossier Aircure. Donc on a identifié quatre raisons pour investir qui nous ont vraiment semblé être les points capitaux et les plus importants pour comprendre cet investissement et puis l'opportunité qui est liée. Alors, premièrement, là on est sur une marque qui est vraiment forte et qui est bien identifiée sur le marché comme étant la solution la plus protectrice contre la pollution atmosphérique. Ensuite, avec Aircure, il y a des fortes perspectives de croissance qui sont soutenues en fait par une stratégie d'expansion sur le marché asiatique à court terme, marché qui est beaucoup plus mature que le marché français, et puis aussi sur le marché américain à moyen terme. Alors ensuite, avec Aircure, il y a une maîtrise en fait de la chaîne de valeur par l'internalisation d'une partie de la production de masques et aussi l'étroit accompagnement des partenaires existants avec la formation et puis le prêt des machines. Et pour finir, il y a un positionnement à long terme en tant qu'expert de la filtration atmosphérique avec le développement en fait complet d'une gamme de solutions et aussi l'ouverture d'une application qui sera bientôt ouverte au grand public. Voilà. Alors, je vois effectivement qu'on a pas mal de questions. Alors, on va voir. Oula, il y a beaucoup de questions. Alors, je vais essayer de les trier par vote, comme ça on va commencer par les questions avec le plus de votes. Alors,
Pierre-Jean, je vais vous inviter sur scène, comme ça vous allez pouvoir poser directement votre question. Voilà, si vous ne souhaitez pas monter sur scène, vous pouvez refuser évidemment et je poserai la question. Alors, je vois que Pierre-Jean se prépare, ça devrait arriver tout de suite. Alors, en attendant que Pierre-Jean monte sur scène, je vais en profiter aussi du coup pour vous rappeler les conditions de l'investissement. Donc là, on est sur une obligation, ce qui veut dire que c'est un prêt rémunéré. Et le taux d'intérêt, en fait, il est à 5% et c'est un prêt sur une durée de 5 ans. Donc voilà, 5% d'intérêt sur une durée de 5 ans, à savoir que le remboursement il est constant, ça veut dire qu'on va vous rembourser en fait le montant investi au fur et à mesure de cette durée de 5 ans. Donc très concrètement, si on prend l'exemple d'un investissement à 1000 euros par exemple, on va vous rembourser 200 euros chaque année pendant 5 ans. Voilà. Alors Pierre-Jean, je ne sais pas si vous avez reçu l'invitation. Bonsoir. Ah, génial. Bonsoir. Merci. Donc en fait, je vous avais suivi sur M6, en fait, Flavien. Enchanté. Du coup, j'avais une question, mais du coup, voilà, j'avais pris le masque juste avant le confinement, donc c'était super bien. Bienvenue, je fais du vélo. Et du coup, j'avais une question, en fait, savoir si, en fait, ceux qui s'étaient manifestés donc, au moment de l'émission d'M6, en fait, étaient toujours présents avec vous et continuaient à vous accompagner. Ouais, bien sûr. Du coup, Eric Larchevêque et Marc Simoncini sont deux personnes qui sont toujours au capital et qui continuent d'être très actifs. Et effectivement, on n'hésite pas à beaucoup les solliciter. Typiquement, Marc, avec ce qu'il fait autour du vélo aujourd'hui, on a pas mal de choses sur lesquelles on échange en termes de mobilité, etc. Et Eric, lui, qui avait monté justement toute sa chaîne de production Made in France dans le milieu de la France, a pu nous aider avec toutes les problématiques de normes, de création d'usines et aussi de production de produits hardware qu'il a très, très bien connu à travers son expansion. Aujourd'hui, plusieurs dizaines de millions de produits vendus. Donc voilà, il sait ce que c'est aussi que monter une ligne de production en cadence. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'on a énormément de chance. On a également, comme j'ai dit, un fonds d'investissement à impact, Citizen Capital, avec qui on échange énormément. Donc voilà, c'est vrai qu'on a la chance d'être très, très bien suivi. On a une direction financière qui est au carré. Et bien sûr, ce que nous demande un fonds. Donc on sait exactement où on va. Ouais. Très bien. Merci. Merci, Pierre-Jean. Merci, Pierre-Jean. Alors, on va passer à la prochaine question de Ivan. Ou Yvan, je sais pas trop. Alors, du coup, je vais vous inviter sur scène. N'hésitez pas à m'indiquer si vous souhaitez ou non participer. Du coup, merci beaucoup, Pierre-Jean, aussi. Merci. Bonsoir. Parfait. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Oui, ma question, c'est justement, elle est récente. On m'a dit, ton masque, il est interdit en avion. Enfin, il ne sera pas autorisé parce qu'il a une valve et que du coup, tu rejettes de l'air par cette valve et que cette valve, ne filtre pas l'air comparé à un masque sans valve qui repasserait par les mêmes filtres filtrants. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est un vrai problème? Est-ce que vous avez pensé à cette question-là? Est-ce que c'est vrai déjà? Et est-ce qu'il y a des solutions dans ce sens? C'est sûr. Alors, de base, c'est vrai que nous, le produit Nano, Nanolite, qui est sorti en 2019, du coup, il avait été fait vraiment contre la pollution de l'air. La pollution de l'air étant beaucoup plus fine que le Covid, ça reste effectivement aujourd'hui une des meilleures protections. Et surtout, on parle beaucoup de filtration, mais on oublie de parler d'herméticité. Parce que la grosse différence de notre technologie, c'est qu'on a une herméticité à plus de 99,98%, peu importe la morphologie que vous avez. Et ça, c'est dû grâce au joint qui est capable de vraiment venir se poser et rendre hermétique le masque. Donc, c'est vrai que pour le porteur, c'est la meilleure protection qui peut exister. Quand on compare même avec des masques aujourd'hui qu'on voit chirurgicaux où on laisse le trou pour respirer le long du nez ou d'autres masques qui ne sont pas très hermétiques, c'est sûr qu'on se rend compte qu'en fait, c'est un masque qui est le plus protecteur. Mais également, on avait cette problématique qui nous a été soulevée pendant le Covid et donc, on a apporté une solution qui était de développer ce qu'on a appelé un stop valve.
qu'on a mis en vente sur le site et qui est disponible. C'est un petit et d'ailleurs qu'on offre gratuitement à tous nos clients. Donc, si vous êtes client AirPure, n'hésitez pas à aller sur le site et juste en vous connectant, vous pouvez le commander gratuitement et on vous l'offre et on vous l'envoie. Donc voilà, ça fait aussi partie des choses qu'on essaie de mettre en place. Quand on développe des choses, on essaye de, au maximum de pouvoir équiper tous nos anciens clients parce que c'est grâce à vous qu'on est là. Et donc, ce petit stop valve, et ben voilà, c'est quelque chose de très simple. Vous pouvez le mettre à l'intérieur de votre masque et il va complètement bloquer cette petite valve d'expiration qui, de toute façon, n'est là que pour amener plus de respirabilité, un confort pour vous. Et voilà, bah, exceptionnellement, dans un avion ou dans un autre endroit, vous avez besoin de le bloquer, vous pouvez du coup très simplement bloquer la valve. À savoir, un nouveau produit arrive qui va être un modèle sport et également un modèle pensé pour les salles de sport. Et donc là, on a été plus loin sur ce prochain modèle et on a développé une nouvelle technologie de valve filtrante. Donc, vous allez et pouvoir garder votre valve et l'air qui va être expiré va être filtré pour du coup complètement correspondre aux besoins de la pandémie d'aujourd'hui. Donc voilà, donc ça, c'est encore c'est top secret. C'est que pour vous parce que vous êtes là. Mais bon, c'est plus qu'une question de semaine. Donc voilà, il y aura beaucoup d'annonces. Vous allez voir passer ça. Et donc, justement, on a bien travaillé sur cette valve-là pour être sûr qu'on soit capable d'aller plus loin. Et en fait, l'interdiction de la valve aujourd'hui n'a pas de sens. C'est juste que l'air devrait être filtré et donc on va être les premiers au monde à proposer ça. Et justement, je rebondis là sur votre réponse. On entend parler là par rapport au gouvernement et au travail que sans doute le ministère des Sports fait avec en direction des sportifs de haut niveau. Est-ce que vous êtes positionné sur ce créneau-là et travaillez avec eux pour justement offrir ce produit-là? Enfin, je pense que oui. Exactement. On est c'est tout l'intérêt. C'est pour ça qu'on travaille depuis plusieurs mois maintenant autour de ce nouveau produit parce que on sait qu'il y a la réouverture des salles de sport qui est un gros sujet et ils cherchent justement avec quel masque ils vont être capables de l'accepter. Donc, on pourrait être l'un des masques, voire même le plus performant pour le sport en salle et également s'est rapproché de fédérations directement et d'athlètes puisqu'aujourd'hui, c'est un énorme besoin qu'ils ont puisqu'ils voient bien que les performances de leurs athlètes sont très impactés par la pollution de l'air. Et donc, aujourd'hui, ils cherchent des solutions pour pouvoir garder leurs athlètes au top niveau et étant les plus performants. Donc bien sûr, on travaille main dans la main avec eux également. Ok, merci beaucoup. Merci, Yvan. Merci à vous. Alors, prochaine question, je vais inviter Vincent sur scène. C'est une question qui a récolté, ma foi, beaucoup de votes positifs. Vincent, qui du coup est un collègue de l'ITA.co. Je vois qu'on est plusieurs à être intéressés par AirPure, même au sein de l'ITA. Alors, bonsoir Vincent, comment ça va? Hello. Bonsoir Vincent. Bonsoir Flavien, comment ça va? Super. Alors oui, effectivement, moi je suis Vincent, je suis conseiller en investissement, tout comme Xavier chez l'ITA. Et effectivement, on a des questions d'investisseurs qui sont intéressés par votre projet, ce que vous proposez. Et une des questions, effectivement, qui a été vôtre pas mal, c'était par rapport à la fabrication des masques. Donc à l'heure actuelle, effectivement, une fabrication en Europe, c'est parfait pour la cible actuelle. La réflexion, c'est de se dire par rapport à la cible de demain et potentiellement l'Asie, est-ce que vous comptez du coup relocaliser partie de la production pour vous rapprocher du marché visé en question tout simplement? Ouais, alors en fait c'est une bonne question, on fait un peu l'inverse. Aujourd'hui justement sur cette année 2020, on a eu des investissements importants dans notre usine puisqu'en fait on est au contraire en train de réinternaliser toute une partie de la chaîne de valeur et de la chaîne de production en France, dans le sud de Paris d'ailleurs, à Longjumeau, donc c'est pas très loin. Et voilà, et donc cette usine est en train de grossir et on prévoit un peu plus de 2 millions d'investissements dans les années à venir sur ce site-là pour au contraire garder toute notre propriété intellectuelle, tout notre savoir-faire sur notre technologie qui sont notre valeur ajoutée. Après, bien sûr, il faut rester compétitif sur des marchés asiatiques et donc demain, sur des pièces sur lesquelles on ne sait pas faire en France ou sur lesquelles on n'a aucune valeur ajoutée, comme des petites pièces en plastique ou du packaging ou ce genre de choses, bien sûr, on se voit travailler avec des partenaires Asie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'on arrive en fait, à avoir des échelles de valeur qui sont assez bons
même avec les partenaires français avec qui on travaille, et en réinternalisant justement les parties qui peuvent être soit bloquantes parce que stratégiques, soit trop chères, et ben en fait, on se rend compte qu'on est capable de garder quand même une majorité de la valeur ajoutée made in France, made in Paris presque. Superbe. Donc, on garde effectivement le bleu, blanc, rouge sur le côté du masque. Ça ne bouge pas. Très bien. Et, okay. Et au contraire, je pense que la stratégie aujourd'hui, elle est plutôt l'inverse. C'est, j'ai envie de dire, des masques pas chers, bon marché, faits au Bangladesh, ils en ont déjà en fait en Chine ou ailleurs. Donc, en fait, on n'a aucune valeur ajoutée à aller se battre sur ce type de produit très bas de gamme. Nous, aujourd'hui, c'est justement, c'est ramener tout le travail qu'on a fait, toutes nos technologies, du savoir-faire du Made in France, et aller justement en Asie vendre ce savoir-faire et ce positionnement premium. Et on voit, c'est quelque chose qui intéresse énormément, parce qu'aujourd'hui, le sujet de la pollution de l'air étant ce qu'il est en Europe, c'est-à-dire il devient de plus important, mais il devient aussi dramatique en Asie, et donc ils sont en recherche de solutions réellement efficaces. Et justement, c'était une des autres questions. C'était justement par rapport à la concurrence identifiée sur potentiellement le marché asiatique. Et on ne pensait pas uniquement, et on ne pensait même pas vraiment au bas de gamme, mais plutôt justement aux concurrents au même niveau de technologie. Et qu'est-ce qu'ils arrivaient à faire eux là-bas, sachant qu'ils ont cette problématique de manière plus marquée et même depuis plus longtemps que chez nous en Europe. Si je peux me permettre de te reprendre une petite minute. Bien sûr, avec plaisir. Et on l'a vu en pleine pandémie, leur savoir-faire, il est vraiment sur les masques bas de gamme, c'est-à-dire les masques juste tissu à la main, enfin cousu à la main en simple tissu. D'ailleurs, il faut se méfier parce que il faut bien regarder un peu quelles sont la vraie filtration qui en découle. Et les masques chirurgicaux, dits trois plis. Qui sont ceux qui sont portés aujourd'hui et qu'on a eu tant de mal à avoir. Donc ça, c'est vraiment ce sur quoi ils savent faire. C'est assez simple. On a trois matières qui arrivent, qui rentrent dans une roue et puis ils sortent ces masques chirurgicaux. Et donc là, on va trouver énormément de gens. Mais déjà, dès qu'on cherche des masques FFP2, c'est-à-dire qui commencent à avoir une filtration vraiment bonne et qui ont la norme européenne, en fait, il n'y a plus que 4 ou 5 producteurs dans toute la Chine qui sont capables et qui ont réellement la, non pas une équivalence, mais la vraie norme FFP2. Et quand on est en FFP3, et ben en fait, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Pourquoi ? Parce que en fait, il n'y a pas eu de besoin en Asie comme nous on a, parce que en Europe, on a énormément de normes. Et donc, les entreprises ont été obligées d'acheter des masques FFP3 et de protéger, etc. Et donc, c'est pour ça que sur ce haut de gamme de haute filtration, on a tout un marché du FFP3 qui existe en Europe avec quelques leaders, dont Airpure, dont on compte de devenir l'un des joyaux français en tant que leader sur ce haut de gamme de filtration européenne. Et donc, pour répondre à ta question sur l'Asie, aujourd'hui, on a en fait très, très peu de concurrence, voire même aucune sur ce niveau de filtration. Superbe. Merci Flavien pour l'échange et toutes ces réponses. Avec plaisir. Merci Flavien. Et merci Vincent. Et alors, j'invite Marc du coup Allez, pour bon la bah, question. Merci Vincent. et j'en profite pour partager une anecdote que j'adore par rapport à Airpure. C'est que, alors tu m'arrêtes Flavien si je me trompe, mais il me semble que Airpure équipe les pompiers de Marseille et aussi les militaires du porte-avions Charles de Gaulle. Effectivement, on a pas mal travaillé avec avec tous ces gens qui ont des besoins très spécifiques. Parce que on a et l'efficacité et la flexibilité d'une jeune société où on est capable de répondre à leurs besoins de façon très rapide, de comprendre ce qu'ils ont besoin et donc de designer le produit dont ils ont besoin. Donc on a pu travailler effectivement avec les forces spéciales, on a des pilotes d'hélicoptères, on a les personnes qui font le signalement au sol. On a également, du coup, comme tu as dit, des pompiers. On travaille avec des gens sur ADP, Aéroport de Paris. Donc, voilà, il y a toute une gamme également B2B qui est un peu moins publique et qu'on voit un peu moins, mais qui est effectivement un fil rouge de notre travail. Génial. Bonsoir, bonsoir Marc. Bonsoir à tous. Bonsoir Flavien. Bonsoir Marc. Alors, je suis un client ravi par votre produit depuis environ 9 mois maintenant. En fait, j'avais plusieurs questions, donc deux en tant qu'investisseur potentiel et une en tant que client
fidèles. Donc, la première, c'est de savoir en fait quels sont les motifs qui ont présidé au choix d'un financement plutôt par obligation plutôt que par via le financement bancaire classique. Ma deuxième question, c'était de savoir si vous aviez des intentions d'ouvrir votre capital à court ou à plus ou moins brève échéance et savoir un petit peu selon quelle modalité. Et puis la troisième question, c'était assez basique, c'est savoir à quelle date vous envisagez précisément de commercialiser votre masque piéton. Effectivement, la question. Bon, je vais revenir dans l'ordre du coup. Donc effectivement, pourquoi le participatif? Voilà, pour être en toute transparence, on est également en train de lancer une levée de fonds. Mais hélas, cette levée de fonds, elle va pas être ouverte en fait à des particuliers puisque on est sur des sommes qui sont assez importantes et donc ça va être sûrement un ou deux fonds qui vont se positionner. Donc aujourd'hui, nous, c'était un peu ce qu'on voulait, vous savez à quel point on a essayer de rester proche de notre communauté depuis la création de la société parce que, pour rappel, hein, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire avec Airpure à la création, Mathieu et moi-même. On travaillait, c'est peut-être une anecdote que je peux vous donner également ici, on travaillait dans la publicité, dans des sociétés différentes et en fait, il y a une vraie question de sens où à la fin de la semaine, on n'avait pas l'impression d'avoir amené grand-chose. Au contraire, on avait l'impression plutôt d'avoir fait acheter des gens des choses qui ne leur servaient pas forcément. Et on s'est dit, est-ce que c'est vraiment ça l'impact qu'on va avoir sur la société? Et c'est vraiment à ce moment-là où on s'est dit, il faut qu'on se lance dans un projet qui a du sens. Et donc, depuis le tout début d'Airpure, on a essayé de faire un projet qui a du sens d'abord pour nos clients, qui sont ceux qui nous font vivre aujourd'hui. Et je suis très content que vous en soyez un, Marc. Mais également, qui a du sens pour les gens qui travaillent pour nous. Voilà, on a un taux de rétention de tous les gens qui sont venus chez nous. On a zéro turnover, donc tous les gens qui rentrent, a priori, sont heureux, mais aussi des partenaires avec qui on essaie de travailler dans le maximum de respect. Et je pense que plus que du greenwashing, c'est juste essayer de faire les choses bien avec tous les gens avec qui on le fait. Et donc, l'ITA, c'est aussi un peu dans la continuité de ça. C'est comment est-ce qu'on peut emmener un peu tous les gens qui nous suivent depuis le début dans un projet de financement où en même temps, vous allez pouvoir faire partie de l'aventure en investissant chez nous et puis également avec un petit taux de un taux de rémunération aujourd'hui pour la participation. Donc on trouvait que c'était une façon une très bonne façon d'emmener également tous les gens qui nous suivent dans ce projet. Voilà. Merci beaucoup. Ça c'est pour la première question du coup. Et après j'ai répondu aux deux premières. Et alors pour les dates. Et sachez que on attend que ça de sortir le masque piéton. Ça fait un an et demi qu'on travaille dessus, donc avant la pandémie, ça avance très très vite. On est sur les tout derniers détails. Il est exceptionnel parce qu'on voulait juste sortir le meilleur masque qui a jamais été fait au monde. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi. Donc voilà. Donc il faut encore un tout petit peu de patience. On vise, si tout va bien. À la rentrée, donc ça va sûrement être septembre-octobre, avec en attendant quand même un nouveau masque sport exceptionnel et une innovation de filtration de la valve pour nous faire patienter. Super, un grand merci Flavien, merci beaucoup. Merci beaucoup Marc. Merci Marc pour votre question. Et également, j'en profite sur le modèle piéton, bien sûr, on va enfin pouvoir proposer la taille enfant et donc on va enfin pouvoir protéger tous les jeunes qui eux aussi ont des besoins de protection de la pollution de l'air. Donc c'est également une ouverture de la gamme et d'ailleurs les autres produits qui arrivent pour début 2022 vont également continuer cette ouverture de gamme en allant en fait essayer de protéger un maximum de gens et la réflexion c'était vraiment comment est-ce qu'on arrive à protéger non pas que le motard ou la personne en vélo ou la personne qui court mais comment est-ce qu'on arrive à protéger la totalité de la population. Donc voilà, donc on a des produits qui vont être de plus en plus accessibles et s'ouvrir à de plus en plus de besoins et de types d'utilisateurs. En tout cas, il a l'air absolument génial, le masque piéton. Je regrette presque d'avoir pris le Nano One et de ne pas avoir attendu pour le masque piéton. Non, t'inquiète pas, les quelques mois où tu vas pouvoir utiliser ton Nano One, c'est déjà, tu vas voir, ton corps te dira merci. Et de toute façon, on fera sûrement des choses spécifiques pour justement les clients qui ont déjà un masque. Il y aura des choses par rapport au masque piéton.
Ah bah bon à savoir pour moi et puis pour toutes les personnes qui sont connectées, je pense. Alors pour la prochaine question, c'est une question de Jean-Baptiste. Alors j'ai pas réussi à vous inviter sur scène. C'est plutôt une question pour moi, c'est par rapport à l'obligation et au taux de 5% sur 5 ans. Donc en fait, effectivement, alors pour rentrer exactement dans le détail, si on part sur la base d'un investissement de 1000 euros par exemple, vous avez un taux d'intérêt à 5% sur le capital que l'entreprise détient, donc 1000 euros la première année. Mais sachant que en fait l'entreprise va vous rembourser 200 euros chaque année. Deuxième année, en fait, les 5% vont être calculés sur 800 euros, ensuite sur 600, ensuite sur 400, ensuite sur 200. Donc, en fait, vous allez percevoir, du coup, très concrètement, 50 euros d'intérêt la première année, 40 la deuxième, 30 euros la troisième, 20 euros la quatrième et 10 euros la cinquième année, ce qui fait au total 150 euros d'intérêt brut sur les 5 ans. Et au fur et à mesure des 5 ans, vous aurez aussi récupéré 200 euros chaque année, ce qui est très sympathique puisque du coup c'est de l'argent que vous pouvez dédier à des projets personnels ou à d'autres investissements. Enfin voilà, c'est de l'argent qui est récupéré. Alors, pour la prochaine question, je vois que Christophe avait une question. Donc Christophe, je vais vous inviter sur scène. Ah, Jean-Baptiste disait que impossible de monter sur scène. Bon bah, écoutez, désolé Jean-Baptiste, mais en tout cas, n'hésitez surtout pas à me dire si c'était pas clair dans l'explication des obligations, et je pourrais toujours y revenir. Alors, Christophe arrive a priori. D'ailleurs, question très intéressante, la question de Christophe. Je ne sais pas si ça fonctionne de votre côté, Christophe, pour monter sur scène. Bon, bah alors, je ne sais pas si ça fonctionne, donc je vais poser. Ah, super, génial. Bonsoir, Christophe. Vous m'entendez, oui? Oui. Ok. Ok, oui. Il y a quelque chose qui me travaille un peu par rapport à ce projet et ce produit. Je comprends tout à fait le côté préventif, ultra important, mais c'est vrai qu'en termes de menaces, si je peux dire ça comme ça, sur ce type de business, bah, est-ce que ce n'est pas les politiques environnementales, notamment menées dans les grandes villes, avec des parties écologiques, hein, qui prennent la tête des grandes villes, qui vont œuvrer, on l'espère tous quand même, pour l'amélioration de la qualité de l'air, mais est-ce que d'ici 10 à 15 ans, est-ce qu'on pourra respirer sans masque? Parce que c'est ce qui est quand même souhaitable. Carrément. C'est une bonne question, Christophe. Alors, effectivement, on dit toujours en rigolant depuis le début de... Ah, est-ce que peut-être vous pouvez vous mute? Parce que j'entends de l'écho. Xavier. Ouais. Ouais, super, merci Christophe. Et donc du coup voilà, c'est une bonne question. Et du coup le point de ça, c'est qu'en fait on disait toujours en rigolant, on aura réussi le jour où on n'aura plus rien à vendre. Alors effectivement c'est quelque chose qui est important puisque nous c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. On essaye de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'awareness autour de la pollution de l'air et on y travaille tous les jours. Et je pense qu'en même temps, à travers le fait que notre société vende, eh ben, on a aussi un travail d'éducation qu'on fait énormément puisque du coup, avant que les gens puissent être intéressés par une solution, il faut expliquer le problème. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on est réellement acteur de cette prise de conscience et on l'espère des changements. Maintenant, la pollution de l'air, aujourd'hui, c'est hélas un sujet sur lequel on ne fait qu'effleurer le problème. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, on parle beaucoup des véhicules électriques. Les véhicules électriques, c'est très bien parce qu'effectivement, il y a moins d'énergie fossile qui est consommée. Mais en termes de qualité de l'air, il faut savoir que 80% des particules fines sont émises par les freins et les pneus. Donc, même si on passe sur une voiture toute électrique, en fait, on ne réduit que de 20% l'émission des particules fines. Donc ça, c'est déjà un premier point qu'on retrouve en fait partout. Et de toute façon, les véhicules ne sont que 17%, entre 17 et 23% selon les villes, de la pollution. Et on le voit aujourd'hui en plein confinement à Paris avec beaucoup moins de gens. On est encore dans des pics de pollution absolument terribles ces derniers jours avec un AQI à plus de 120.
Ce qui prouve bien que voiture ou pas, ce n'est pas vraiment la problématique. Et en fait, à quoi elle est due du coup cette pollution de l'air ? Elle est due à la totalité de l'activité humaine. On va retrouver vraiment équitablement l'industrie, l'agriculture, le chauffage, la mobilité. Et en fait, c'est vraiment toute notre activité humaine qui fait que il y a cette pollution qui se crée. Et donc voilà, hélas, même, et on l'a vu typiquement en Chine, où vu les taux de les taux de pollution absolument abominables qu'ils avaient eu, il y a eu quelque chose de très strict du gouvernement sur la pollution de l'air. Et aujourd'hui, ils sont re dans la même situation d'une pollution qui est trop importante parce qu'en fait, elle est naturellement due à l'activité humaine et à la croissance. Et même si nous, en Europe, on a pas mal d'avance, et c'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle, on est tellement loin d'une qualité de l'air ne serait-ce que acceptable. Je ne parle même pas de bonne, hein, je parle de acceptable. Normalement, on devrait être à 30 d'AQI. On est aujourd'hui à des pics à 150. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et de toute façon, comme on l'a dit, aujourd'hui, on a une expansion également sur les produits, sur les pays en développement, qui n'ont même pas commencé cette réflexion et qui, eux, au contraire, sont totalement dans une accélération de l'activité humaine. Donc, je pense à l'Inde. J'ai vu dans les commentaires, on parlait de Jakarta. On a ouvert un office en Asie et donc on arrive bientôt sur tout ce marché-là. Effectivement, le problème, c'est qu'en fait, on a tellement eu de demandes qu'on n'avait pas de produits et donc on n'avait pas assez de produits pour que ça justifie l'ouverture d'un pays. Mais justement, avec tous les investissements qu'on a pu faire, on va enfin être capable d'arriver dans tous ces pays-là. Et donc, l'Asie, bien sûr, comme grosse région de développement avec la Chine, la Corée, le Japon, dans l'Asie du Nord et puis dans l'Asie du Sud-Est avec la Thaïlande, le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie. Donc voilà, bien sûr, c'est dans nos plans futurs. Voilà, j'espère que j'ai répondu un peu à la question. Et donc, voilà, si c'est pour l'investissement, en tout cas à 5 ans, il n'y a pas vraiment de sujet. Hélas, à 10 ou à 15, j'ai bien peur qu'il n'y en ait pas non plus. Et si bien même qu'on arrivait à vraiment faire des choses extraordinaires en France, et c'est tout ce que j'espère, et sachez que nous, c'est ce pourquoi on va pousser. Et d'ailleurs, pour ça, on a même créé une fondation aujourd'hui avec laquelle on pousse auprès des politiques et on fait du lobbying pour que les choses changent. Donc voilà, donc si en France, on arrive à être parmi les premières nations à faire des très belles choses sur ça, ça ne change pas que le reste du monde est très loin de ça et a besoin de solutions de traitement et de qualité de l'air. Merci Flavien. Alors, je me permets, je vais un peu compléter la réponse avec mon ressenti personnel. En fait, moi, si j'ai un masque air pur, c'est alors que je suis même pas ni en vélo ni en moto, c'est tout simplement pour le métro. Donc voilà, s'il y a des Parisiens parmi nous, c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte, mais dans certaines stations, je pense notamment à peut-être Châtelet, La Défense ou Place de Clichy, la pollution, elle est plus ou moins identique en fait à ce qu'on peut trouver sur le périphérique. Et on s'en rend pas forcément compte parce qu'en fait, c'est la pollution qui vient des plaquettes des freins et c'est inodore et invisible. Alors que sur le périphérique, c'est vrai que ça sent les peaux. Donc là, on se dit oulala, j'en prends quand même plein le nez, plein les poumons. Mais dans le métro, on se dit pas ça. Et pourtant, c'est aussi un mal et un impact sur notre santé. Donc voilà, c'est vrai que même si d'un point de vue véhicule, on arrête les véhicules thermiques, on passe à des véhicules électriques, pour les personnes qui continuent à prendre le métro ou qui prennent le métro, le sujet en tout cas reste d'actualité à mon sens. Voilà. Ouais, et comme tu dis, les particules fines, c'est en fait le pire parce que c'est invisible, inodore, c'est tellement petit, ça ne colore même pas le ciel, rien. Donc c'est vraiment, c'est le pire. Et sur ça, hélas, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser une application. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on a tout de suite donné l'application mobile en accès à nos utilisateurs pour qu'ils aient une façon de visualiser quelle est réellement la qualité de l'air autour d'eux. Et voilà, c'était une façon de voir l'invisible. Et donc voilà. Et sur ça, d'ailleurs, on a aussi beaucoup de choses qui arrivent puisqu'on a une nouvelle application complètement repensée. Avec énormément de nouvelles features pour nos clients actuels et également une ouverture à des non-clients pour que vraiment tout le monde puisse profiter de cette data parce qu'on pense que c'est une donnée qui doit être pour tous. Top, merci Fabien. Alors, prochaine question, c'est la question de Fabrice qui est déjà utilisateur d'AirPure. Alors Fabrice, j'ai essayé de l'inviter sur scène, ça n'a pas fonctionné. Du coup, déjà, on a un retour au produit qui dit que le produit est très performant. Alors maintenant, la question, c'est que AirPure aujourd'hui, c'est une solution qui est relativement premium au niveau du prix. Est-ce que
il y a un projet d'avoir un périmètre plus large et de toucher plus de consommateurs potentiellement? Ah tiens, je vois que quelqu'un... Ah bah, parfait. Bah, désolé bonjour. Fabrice, j'ai posé la question, mais voilà, je ne sais pas si vous pouvez compléter, donner peut-être un peu plus de détails ou du contexte. Merci, c'est super intéressant. Et effectivement, je me posais la question de savoir, après l'utilisation de la... Moi, je suis en scooter, en fait, hein, pardon. Et j'utilise deux masques. Je l'ai commandé le 9 mars, donc c'était pas le bon timing. Donc, j'ai dû le recevoir en fin avril ou quelque chose comme ça, là, victime de votre succès. Et j'en suis très satisfait. On sent vraiment la différence. Et donc, c'est vraiment cool. Par contre, ouais, j'avais deux remarques. C'est que ça reste un produit premium et... en fonction de l'utilisation, la consommation de filtres, etc., peut faire partie du quotidien, une dépense un peu au quotidien, forcément. Donc, bien sûr, il est question de santé. Et tout à l'heure, vous étiez en train de dire que c'était une position de votre part et que c'était bien de la garder comme ça. Vous ne vouliez pas aller sur un autre aspect ou une autre population ciblée, mais vous dites en même temps que l'idée, c'est de sauver les humains, entre guillemets. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une politique peut-être sur ce masque piéton ou autre? Est-ce que vous avez pensé à dire, tiens, il faudrait peut-être retravailler les tarifs ou pas? Je ne sais pas. Bien sûr, ouais, bien sûr. C'est un très, très bon point, Fabrice. Merci de l'avoir amené. Effectivement, en fait, aujourd'hui, de par le process de fabrication, le fait que on fasse énormément de choses en Europe et puis pour plein d'autres raisons, on a un prix de fabrication qui est très cher, mais c'est normal. Quand on commence une technologie, elle est toujours chère au début, et donc voilà. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a de lourds investissements qui sont prévus, donc je vous ai dit dont plusieurs machines, etc., dans notre usine, pour justement pouvoir automatiser certaines parties qui aujourd'hui ne le sont pas, ou pas complètement, ou pas assez, et pouvoir baisser le prix. Et on est également en train de, justement, pour des gens qui auraient des consommations importantes et régulières, on est en train de réfléchir à une nouvelle façon de consommer, avec typiquement des abonnements qui nous permettraient de pouvoir descendre au fur et à mesure le prix des filtres pour cette personne-là, et donc faire en sorte que ça devienne de plus en plus abordable, et que donc un client qui est là depuis longtemps et qu'on protège depuis longtemps, qu'on puisse trouver des solutions. Et dans les prochains produits qui viennent, il y a également ce point qui est très important et qui est à la base de notre design. On a designé justement ce nouveau masque de façon à ce qu'il puisse être également moins coûteux déjà lui-même, et puis dans la durée, donc justement dans une optique de devenir de plus en plus accessible, tout en gardant toutes nos capacités de filtration que vous appréciez tant aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu tout le défi, c'est trouver la bonne la bonne formule et mettre le curseur de la bonne façon pour être sûr que on ne se mette pas à vendre quelque chose qui est faux ou en tout cas ne tiendrait pas les promesses, parce que c'est vraiment pas ce pourquoi on a créé Air Pure. Et donc voilà, on fait peut-être trop, mais on préfère faire trop et être sûr qu'on vous protège parfaitement plutôt que d'avoir un doute et de laisser des choses passer pour essayer de gratter un euro ou deux. Donc voilà, c'est vraiment le design qu'on a en tête. Mais en tout cas, sachez que, bien sûr, c'est quelque chose auquel on réfléchit depuis très longtemps. Et dans ce nouveau design de prochains produits à venir, il a été pris en compte fortement. Et on investit énormément en R&D pour trouver des solutions, automatiser des machines à des endroits qui peuvent nous permettre de gagner. Et puis également, avec la taille de la société qui grandit, y a des économies d'échelle qui vont pouvoir être faites. Et bien donc, sûr. Naturellement, certains prix vont pouvoir baisser dans le futur. Alors, merci déjà pour cette réponse. Et je comprends le process d'industrialisation et d'automatisation qui est derrière, qui sont forcément la clé de la rentabilité. Alors, ça ne va pas aller peut-être dans le sens de la rentabilité, mais comme vous l'avez vu, moi, je fais partie des chevelus clients, des clients très chevelus. Et est-ce que vous avez réfléchi à
un autre système d'attache que le système existant ou pas du tout? Alors justement, là, je rebondis sur l'histoire de design là, peut-être. Complètement. Et ben, mais décidément, en fait, avec vos questions, vous allez tout savoir avant que ça sorte. En fait, c'est une product inquiry, quoi. Et ben, justement, le prochain produit qui sort, qui va être le produit sport, est doté d'une toute nouvelle attache, beaucoup plus adaptée au sport. Et donc, voilà, vous allez voir, c'est une nouvelle façon de porter le masque. Et qu'on trouve beaucoup plus simple et beaucoup plus adapté à la pratique du sport, mais qui ne marche pas forcément sur le port d'un casque de moto ou d'un casque de vélo, etc. Donc voilà, comme ça, selon les besoins, la personne pourra avoir le masque qui correspond mieux. D'accord, donc c'est en dire que comme je cours, il va falloir que j'achète deux masques du coup, c'est ça. Peut-être que si, il marche bien, parce que sinon c'est quoi, vous êtes en scooter ou en vélo? Non, je suis en scooter, ouais. Ok. Ça, voilà. Le problème, c'est l'avantage d'une attache et aussi l'inconvénient de l'autre. Donc, selon votre usage, soit vous arrivez à trouver celle qui fit all, soit effectivement, il en faut deux différentes. Mais voilà. Mais comme je l'ai dit, et sur le masque piéton et sur nos prochains masques, on réfléchit à faire des offres privées particulières à nos clients d'aujourd'hui pour que justement des personnes qui serait freiné juste par ça ne le soit pas et puisse avoir la gamme dont ils ont besoin. Ça serait trop bête de ne pas s'équiper à un moment où c'est important. Oui, bien sûr. Juste pour ça. Donc voilà, on avance également sur tout ça. Et en tout cas, voilà, le prochain design arrive avec des choses assez excitantes. Donc on est pressé de vous présenter tout ça. Bon. Je ne monopolise pas plus et je voulais juste vous dire que un peu à la manière d'un Amazon, si vous êtes dans la refonte d'une application, proposez le renouvellement automatique à un mois ou autre en fonction de l'usure du filtre. Ça pourrait aussi être quelque chose d'à la fois convivial et en même temps avoir un engagement client qui permette peut-être de lisser un petit peu les coûts. Mais voilà, j'arrête. Parfait. Et c'est déjà dans la prochaine app. Donc ça arrive, ouais, c'est ça. Ok. Bah, merci beaucoup. Parfait. Merci. Merci pour l'intimation. Merci beaucoup, Fabrice. Bonne soirée. Alors, c'est pas mal du coup parce qu'en fait, Fabrice a aussi posé une question que pas mal de personnes ont posée sur l'onglet questions par rapport aux attaches. Donc, je pense que de ce côté-là, on a toutes les informations. Alors, pour la prochaine question, on a une question super intéressante de Vincent Chiry par rapport en fait à la technologie. Vincent Chiry demande si tu crains pas d'être copié par d'autres fabricants à bas coût ou d'autres fabricants tout court. Non, on ne craint pas trop. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai dit, en fait, quand on cherche qui sait réellement faire ce genre de choses, il n'y a plus grand monde. Et donc déjà, il n'y a plus grand monde en Chine et en Asie en règle générale, mais non plus en Europe. Et surtout, vous allez trouver des gens qui souvent ont qu'une des expertises. On va trouver des gens comme 3M qui vont savoir faire des masques filtrants pile poil à la norme à moindre coût. On va trouver des masques cousus à la main, faits par une usine, etc. On va trouver des gens qui savent faire des applications de la pollution de l'air. Mais en fait, on va rarement trouver une offre aussi complète qui est également quelque chose de très abouti en termes de textile et de savoir et de R&D textile, mais également un filtre d'une telle qualité qu'on ne trouve pas sur le marché aujourd'hui et qui répond aux besoins spécifiques d'un environnement urbain, ce qui n'était pas un besoin en B2B jusqu'à maintenant, et également avec toute la partie applicatif, information, savoir quand est-ce qu'on doit changer son filtre, connaître les environnements qu'on a traversés, bien comprendre les bienfaits que le masque a pu vous apporter, tout ça traqué en temps réel selon votre utilisation à vous. Voilà, c'est vrai que je pense que c'est des avantages concurrentiels qui nous différencient énormément du coup des autres. Et pour nous copier, il faudrait en fait copier tout l'environnement et tout l'ensemble. Et donc, c'est très complexe. Et donc, voilà, donc je pense que c'est un peu ça l'avantage qu'on a aujourd'hui. Et puis également avec les financements qu'on a, les retours clients qu'on a, qu'on voit venir aujourd'hui sur la scène, et je vous en remercie, et voir à quel point vous êtes satisfait du produit. Voilà, je pense que c'est ça, c'est en fait en avançant avec un produit qui convainc,
et après en se donnant les moyens d'aller chercher les différents pays et les différentes zones qu'on est en train d'attaquer, et en étant les premiers à arriver avec quelque chose d'aussi qualitatif. Donc je pense que c'est comme ça qu'on fait en sorte de ne pas trop subir la copie. Super, merci beaucoup Flavien. Alors prochaine question, on a Kevin et j'ai l'impression qu'on a fait le tour de pas mal de questions, en tout cas de pas mal de sujets. Alors Kevin, je crois que... Ah bon bah parfait alors. Bonsoir Kevin. Hello Kevin. Flavien. Donc comme vous pouvez le constater, moi j'ai de la barbe, je voulais savoir justement si les masques étaient inefficaces pour les barbus, ou sinon comment comptez-vous les adapter pour justement toucher un maximum de personnes. Carrément. Alors c'est un bon point. Il faut savoir que sur un masque normal, comme les bords sont rigides, dès qu'il y a une barbe, la barbe en fait pousse la barre rigide et donc l'air passe entre les trous de la barbe. Nous on subit beaucoup moins cet effet-là. Parce qu'en fait, naturellement, comme on a un joint qui fait tout le tour du masque et qui a une épaisseur et qui peut se compresser, ça fait qu'en fait, quand on vient mettre ce joint facial, ça va venir en fait plaquer la barbe, et également la mousse et le joint vont venir rentrer dans les différentes fentes de la barbe. Et donc, on arrive à avoir des résultats qui sont très, très bons. On arrive à avoir des filtrations au-dessus de 90%, donc ce qui est largement au-dessus de tous les masques chirurgicaux ou du marché d'aujourd'hui, ce qui bien sûr n'est pas aussi bon que le 99,98 qu'on arrive à avoir des gens qui n'ont pas de barbe, mais c'est déjà c'est déjà largement au-dessus du reste du marché, donc ça permet de malgré tout avoir tous les bienfaits de la filtration du masque. Super, bon, merci de ta réponse. Voilà. Et sache qu'on continue à travailler sur ça également, et sur les prochains produits qui arriveront, on garde toujours ce principe d'avoir une partie souple qui vient faire le contact avec le visage et qui en fait est la seule réelle façon de créer une herméticité importante et donc un bienfait important. Merci. Merci Kevin. Merci Kevin. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Alors, prochaine question. Ah bah parfait, Olivier est déjà sur scène. Bonsoir Olivier. Bonsoir, merci Flavien et merci à l'équipe de l'ITA. Oui, moi je m'occupe d'environnement, je suis au Liban et je voulais savoir, est-ce que vous avez pensé à une reprise des filtres? J'ai écrit masque dans ma question, mais en fait, une reprise des filtres, un peu comme Nespresso aussi a fait et a mis un peu beaucoup de temps à s'y mettre d'ailleurs, mais une reprise des filtres, voilà. Je m'occupe de déchets, donc je suis assez sensibilisé sur cette question et je suis content que vous montiez une fondation pour... Je m'occupe aussi de pollution de l'air au Liban et je suis assez content que vous ayez monté cette fondation. Merci Olivier du coup pour la question. Bien sûr, c'est quelque chose auquel on pense depuis le tout début. Pour être très honnête, ça a été assez compliqué de trouver en fait des gens qui sont capables de le faire. On voit aujourd'hui que c'est encore une filière en fait qui est assez peu développée, hein, cette partie de recyclage de choses un peu complexes comme ça. 2020, je pense, ça a changé énormément de choses parce qu'il y a eu tellement de masques chirurgicaux que des nouvelles filières se sont lancées justement sur sur le recyclage de ces masques-là, etc. Et donc, on pense que ça a quand même beaucoup bougé. Aujourd'hui, on est en contact avec différentes entreprises qui pourraient nous aider à faire ça. Mais voilà, on veut pas faire un truc qui serait faux et dire qu'on le fait alors qu'en fait, on le fait pas. Donc, on veut être sûr que on veut pas juste les reprendre en disant que quoi. Donc, on a besoin de trouver ce partenaire qui sera capable de faire ça. Mais c'est bien sûr pour nous une stratégie il y a des équipes qui travaillent sur ça et qui mettent ça en place. Également, on voulait s'aider de tout notre réseau partenaire de magasins physiques, donc les magasins de vélo, moto, la FNAC, toutes ces grandes enseignes qui pourraient mettre une borne de retour. Mais du coup, avec tout le Covid et les différents confinements, c'est vrai qu'on a été un peu ralenti dans ce projet-là. Sachez que, en tout cas, c'est sûr que c'est un projet qui reste prioritaire pour nous.
et sur lequel on travaille. Et dès qu'on aura trouvé une vraie solution adaptée, ça sera avec grand plaisir qu'on enchaînera sur ça. Et surtout, si vous en avez, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un petit email avec peut-être des pistes que je peux donner en plus à mon équipe pour voir. Très bien. Si je peux me permettre, j'avais aussi une autre question puisque je suis sur la scène. Sur vos données en termes de qualité de l'air qu'on reçoit, je suis assez étonné d'ailleurs parce que encore une fois, je travaille sur ces questions au Liban et donc voilà, j'ai l'app et je reçois tous les jours les notifications. Donc, je voulais savoir un petit peu, en tout cas au niveau international, quelle était la source de vos données. Ouais. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on travaille avec différents partenaires selon les pays. Donc on a des pays dans lesquels on a énormément de données, typiquement en France, où on arrive à croiser plus de 5 datas différentes. Donc on va aller chercher des datas par exemple de Air Paris, on va aller chercher des datas de Brisometer, de Plume Lab, on va pouvoir vraiment utiliser différentes sources et là on va pouvoir les croiser et donc on a notre algorithme ensuite qui travaille et qui arrive à redonner la donnée la plus fiable en jugeant de plusieurs personnes. Mais je pense que la fiabilité de la donnée de la pollution de l'air, c'est un énorme sujet sur lequel il y a plein de pays dans lesquels ce n'est pas encore très développé. Alors, je ne sais pas à quel point l'est le Liban et du coup, quelle est la fiabilité des informations qu'on reçoit de notre partenaire sur place. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut commencer avec quelque chose, il faut faire avec les données qu'on a. Et je pense que justement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pousser nous en tant que citoyens et en tant qu'utilisateurs également, de dire c'est un sujet important, il faut que les gouvernements ils investissent de plus en plus dans cette donnée-là et dans la captation de cette donnée-là, parce que c'est ça qui va nous donner la vision. On en parlait et notre app, elle est là pour ça, elle est là pour visualiser la pollution de l'air, qui est quelque chose d'invisible et de très dur. Et je pense que toutes ces bornes de qualité de l'air donne aussi cette vision et donc montre s'il y a un problème ou pas. Et on voit qu'en fait, dès qu'on met une borne, on se rend compte qu'il y a un problème. Donc je pense que c'est vraiment ce sur quoi il faut pousser tous ensemble également. Et voilà, et sachez que nous, c'est également les recommandations qu'on pousse au gouvernement et aux gens quand on a la chance de leur en parler, c'est il faut plus de visibilité sur ça, quoi. Merci. Je suis rentré il y a 10 jours de Paris avec mon masque et pour l'instant, à vue de nez, si je peux me permettre, les données pour Beyrouth sont plutôt pas mal. Cool, super. Bonne continuation. Entendu. N'hésitez pas, en tout cas, j'en profite, je vous ai là. Absolument. Si vous avez des feedbacks à nous faire sur la qualité des datas que vous avez à Beyrouth ou quoi que ce soit dans l'application, etc., n'hésitez surtout pas à nous envoyer. Je travaille avec le ministère de l'Environnement, donc j'y manquerai pas. Ah bah, grand plaisir. N'hésitez pas à nous envoyer un email. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, on a fait le tour de pas mal de questions. Alors, je vois qu'il y a une question de Itai Rubinstein qui demande si l'ITA investit. Donc, je vais répondre à cette question-là. En fait, nous, l'ITA, notre expertise, c'est vraiment la sélection et l'analyse d'entreprises à impact dans lesquelles on va vous proposer d'investir. Et dans un second temps, notre expertise, c'est aussi le conseil en investissement. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à cette entreprise, par rapport à cet investissement, par rapport à tout ce qui peut être lié en fait à la souscription de l'obligation dans AirPure, vous pouvez vous rendre sur le site l'ITA et tout en haut dans le menu, il y a un bouton qui s'appelle « Prendre rendez-vous avec un conseiller ». Donc voilà, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous avec un conseiller, ça pourrait être moi, Vincent que vous avez vu tout à l'heure ou un autre membre de l'équipe. Alors, je pense que d'un point de vue question, sinon on avait fait le tour, c'était des sujets qui ont déjà été abordés. Alors, petite question ouverte comme ça sur le chat, est-ce que vous avez un dernier sujet que vous souhaitez aborder avant la fin de ce live meeting? J'ai l'impression que Eric est en train de taper. Alors, du coup, Pierre, vous souhaitez peut-être monter sur scène, vous avez peut-être une question. Alors, j'en profite, je vois que Gary a posé une question directement, je vais la poser. Alors, Gary demande si dans une période post-Covid, le marché du masque risquerait de s'essouffler. Exactement, j'étais en train de descendre. Si tu me permets, ce qu'on peut faire, je sais pas, il nous reste quoi? On a encore 5 minutes? Quelque chose comme 5 ça minutes, ouais. Ok, et ben, ce que je peux faire, c'est je peux répondre à Gary, puis j'en profite pour juste passer rapidement sur les quelques questions qui n'ont pas été mises en avant, comme ça on essaie de donner une réponse à tout le monde. Ok. Et ben, du coup, Gary, effectivement, alors c'est un très bon point. En fait, la réponse, elle est assez simple.
c'est qu'il faut imaginer qu'avant la période du Covid, les gens qui étaient sensibilisés à la pollution de l'air et qui portaient un masque, c'était une toute petite part. Donc, c'était vraiment 1% de la population, de gens qui étaient assez curieux aussi pour comprendre qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière la pollution de l'air. Être choqué comme tout le monde quand on commence à être curieux sur le problème, sur à quel point c'est grave, et du coup, eux s'équipent. Donc, c'est une petite partie. D'un coup, les gens qui portent des masques sont 100% de la population. Donc, la totalité de la population humaine porte un masque. Donc, bien sûr, quand on va pouvoir leur dire « vous pouvez enfin enlever votre masque », il va y avoir un effet yo-yo où, bien sûr, moi y compris, je serais très content de ne pas avoir à porter mon masque. Mais également, en fait, comme tout est fait, ça va se stabiliser et une moyenne va se créer. Et en fait, les gens, ils vont bien comprendre la différence de l'intérêt du masque qui est juste anti-Covid et qu'on doit porter toute la journée avec le masque anti-pollution. Et je pense que justement, c'est cette capacité d'anti-pollution qui va rester et qui va être le seul vrai marché de demain. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les marques qui font des masques Covid ont en fait une espérance de vie très limitée. Et nous, c'est pour ça qu'on n'a jamais surfé sur cette vague-là. Ça a été un peu malgré nous. On a gardé nos capacités de filtration de pollution. On aurait pu faire moins, on aurait pu faire de simples masques Covid. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait parce qu'on pense que voilà, la recherche d'une vraie qualité de filtration de pollution est quelque chose qui va rester. Et au contraire, elle va être largement supérieure aux besoins d'avant parce qu'aussi, les gens, ils savent ce que c'est que de porter un masque. Ils ont moins peur. Il y a moins le regard des gens également. Donc demain, si vous portez un masque contre la pollution dans le métro, comme tu l'as dit, c'est un des endroits les plus pollués au monde, et ben en fait, personne ne va vous juger, vous n'allez pas être regardé bizarre. Et donc, je pense que également l'évolution des mœurs fait qu'il y aura un port 60 fois supérieur, 100 fois supérieur à ce qu'il y avait avant. Donc je pense que ce n'est pas une vraie menace de ce côté-là. Voilà, j'en profite sur ça et également pour dire que, en fait, je pense qu'il y a des endroits aujourd'hui où on aura quand même envie de le porter. Quand on a vu qu'on a passé tout un hiver à ne pas tomber malade, à ne pas être contaminé, à ne pas avoir la gastro, à ne pas avoir le rhume, tout ça parce qu'en fait, on a porté un masque et on s'est mis un peu de gel ou en tout cas, on s'est lavé les mains de façon plus importante. Est-ce que ce n'est pas un gain qu'en tant que société, on a envie de garder demain? Et en fait, je pense que de plus en plus de gens vont se dire, je prends le métro une demi-heure, c'est l'endroit le plus pollué au monde, c'est là où j'attrape toutes les miasmes. En fait, mettre un masque une demi-heure dans ma journée, c'est acceptable. Alors qu'avant, forcément, 12 heures, c'était un peu long. Mais une demi-heure ou une heure, selon les besoins et selon ce que je fais, c'est quelque chose qui peut avoir énormément de sens. Et je pense que demain, ça sera l'usage qui continuera encore pour de nombreuses années. Joyeux Yvan, tu nous as dit que tu nous as écrit quelque chose sur les masques pour le gaz lacrymo. Écoute, il n'y a pas de question tabou, ça dépend. En fait, un gaz lacrymo, ça ne veut rien dire. Il y a plusieurs compositions. Tu vas avoir vraiment du gazeux, tu vas avoir ce qu'on appelle du pepper spray. Enfin, il y a plein de choses différentes. Et selon la composition du gaz, on est plus ou moins efficace. Et surtout, il faut savoir que l'intérêt du gaz, c'est qu'en fait, tu as des concentrations qui sont absolument dingues. C'est pour ça que dès que tu l'ouvres, il y a tout qui sort. Parce qu'en fait, ils prennent du gaz qui rend très condensé. Et c'est cette condensation du gaz très forte qui rend l'effet très fort du lacrymo. Donc, c'est pour ça que c'est un peu difficile de répondre. Parce qu'il faut savoir, en fait, si tu es à 1 mètre, c'est déjà 10 fois moins. Si tu es à 2 mètres, c'est déjà 20 fois moins. Donc, en fait, voilà. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas eu de réponse. Parce que ça dépassait un peu les capacités techniques de l'équipe support, mais on n'a aucune question tabou en tout cas, sache-le. Pierre, du coup, enchanté, j'en profite. Oui, bonsoir. Peut-être que tu avais une question. Oui, j'avais deux questions. J'en avais vu une dans le chat qui était assez intéressante sur la communication autour, par exemple, du masque et le fait qu'il bloque les allergènes. Moi, je sais que j'ai découvert Air Pur en faisant des recherches, du coup, sur les allergies. Je suis allergique au pollen et depuis que j'ai 12 ans, c'est vraiment l'enfer. Et c'était une méthode que j'ai testée l'année dernière et c'était complètement, enfin c'était le jour et la nuit, c'était incroyable. Et je sais que j'ai des amis aussi qui sont sujets du coup à ces allergies, mais ils n'entendent pas forcément parler de ce masque. Mmh. Et je me dis qu'il y aurait vraiment beaucoup à gagner en faisant une com vraiment ciblée autour de ça, certes de la pollution de l'air. Mais vraiment autour des allergènes parce que ouais, même si la qualité de l'air s'améliore, les allergènes non.
Donc, ça reste pour toujours. Et c'est un gain instantané en plus, parce que évidemment, du coup, du jour au lendemain, ça change. Écoute, c'est un très bon point. Et je pense qu'effectivement, en fait, c'est un peu le problème avec notre solution, c'est qu'on filtre tellement de choses qu'en fait, on s'est vu qu'on répondait à plein de choses. Et donc, bah, c'est vrai que des fois, on oublie de dire que bah, oui, on fait aussi ça et aussi ça. Et t'as un très bon point. Et je vais en parler à mon équipe, en tout cas. Et je te remercie de l'avoir souligné. Et on va essayer d'en parler encore plus cette année. Et je pense que sur ça, tu vois, ça rejoint d'autres choses qui sont qu'aujourd'hui la pollution de l'air, on est encore un peu au début de la compréhension, parce qu'en fait c'est un peu un panier dans lequel on met plein de choses, mais en fait il y a des choses tellement différentes qui sont les particules fines, les particules nanoscopiques, les gaz, les allergènes. Donc c'est vrai que ça va faire un peu partie, je pense, de ce qui va arriver sur ces prochaines années, avec une connaissance de plus en plus accrue. Et on espère que l'application également qu'on va faire et qui va être ouverte au grand public, elle va avoir un peu ce rôle aussi d'éducation du qu'est-ce qui compose la pollution de l'air, qu'est-ce qu'on appelle la pollution de l'air, il y a différentes choses, comment est-ce qu'on s'en protège, d'où ça provient, etc. Donc voilà, ça va aussi, j'espère, aider à ce que demain, des gens qui ont des allergènes comprennent mieux quel type de masque il leur faut. Et effectivement, je suis très content d'entendre ton feedback, parce que c'est un feedback qu'on a eu de la part de beaucoup de gens qui sont allergiques, qu'effectivement, c'est assez life-changing. Trop bien. Plaisir. Une toute dernière chose, ouais. J'avais vu, je crois, il y a 2 ans sur un salon que vous aviez peut-être un partenariat avec l'armée, du coup, concernant du coup, les masques. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que c'est toujours en discussion ou, Ouais, on en a parlé au tout début du coup. C'est peut-être pour ça que tu as loupé, mais effectivement, comme on disait, on équipe aujourd'hui les pilotes d'hélicoptères, on équipe les gens qui font atterrir les avions sur le porte-avions Charles de Gaulle, et également on travaille dans les gens qui ont des missions dans le désert, dans la douane, dans les stands de tir. Donc voilà, il y a tout un aspect B2B dont on parle moins, bien sûr, qui est un peu plus sur le côté un peu moins visible, on va dire. On est très fiers de travailler avec eux. Mais effectivement, il y a toute cette partie-là qu'on continue et qui reste une partie croissante de notre business. D'accord, très bien. Bon, bah merci beaucoup et Pierre. Merci Pierre. Top. Merci, bonne soirée. Avec grand plaisir. Après, bah écoute, je regardais un peu, je voyais Olivier du coup qui nous parlait de Mexico, de Jakarta, Beyrouth, voilà. Donc tout ça, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Comme je vous ai dit, le problème, c'est qu'on a un peu tellement eu de succès qu'on a eu du mal à déjà faire face aux besoins français et européens. Et justement, ce 2021 et tous les investissements qu'on est en train de faire en ce moment, c'est justement pour nous permettre d'aller partout. Où on a besoin de nous, c'est-à-dire un peu partout dans le monde et porter fièrement les couleurs françaises et nos technologies dans le monde entier. Super, merci Fabien. Alors, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui parlaient du replay. Sachez qu'il y aura bien un replay qui sera envoyé par email, un lien pour revisionner le replay qui sera hébergé aussi sur notre compte YouTube. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc, avant de clôturer l'événement, un petit point sur la campagne de financement où on en est aujourd'hui. En fait, là, on est encore en stade de pré-collecte, en vote. Donc, vous pouvez mettre une intention d'investissement qui est non engageante et qui est modifiable derrière. Et on devrait passer en collecte soit demain, soit la semaine prochaine. Donc, en fait, avant de passer en collecte, on aimerait bien conclure un dossier d'investissement qui va faire grosso modo une vingtaine de pages et en fait qui va reprendre tous les éléments clés de cette levée de fonds. Donc on va présenter l'entreprise Airpure, l'activité, le marché, les concurrents, le modèle économique, etc. Il y aura également une analyse financière et aussi une analyse d'impact. Et en fait, une fois que ce dossier sera conclu, on approche vraiment de la fin de ce dossier, il sera partagé et on pourra du coup ouvrir sereinement la levée de fonds et vous pourrez investir. Voilà. Avec toutes les infos. Exactement, avec toutes les infos clés qui sont nécessaires en fait pour investir. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas encore en collecte. En tout cas, Flavien, merci pour ta participation. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était un super live meeting, des très très bonnes questions. Merci à tous d'avoir participé et puis à bientôt. N'hésitez pas à nous contacter au besoin. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.